J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis sur la map Melbury que vous pourrez trouver facilement sur le site officiel. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description comme d'habitude. C'est mon exploitation 2.0. Je l'ai appelé comme ça puisque j'utilise des mods qui sont modifiés ou qui sont perso, tout simplement. Mais vous pouvez aussi trouver la plupart des mods, comme j'ai déjà montré, comme j'ai déjà expliqué. Des fois, il suffit juste de taper sur Internet et vous regardez sur Google. En fait, tout simplement, vous mettez image, vous tapez le nom du mod et vous marquez image et vous allez trouver la plupart du temps les mods. Donc, je sais plus du tout où j'en étais arrivé. Je regardais un petit peu vite fait la partie quand je suis arrivé. J'ai vu que j'étais en train d'épandre, la dernière fois, on était en train d'épandre là-bas et on était en train de mettre, on était en train de tirer des patates. Si je dis pas de conneries, voilà, voilà. Donc on étaye la petite machine, depuis j'ai sorti la bête, parce que sinon je vais mettre 10 ans à faire ce champ. Qu'est-ce qu'on était Oui, donc on était au lavage des patates, si je dis pas de conneries. Ah, celui-là il est là. Ok, j'ai mis celui-là parce que... attendez, on va mettre bien la masse, voilà, on appuie sur 0 sur la masse pour la remettre bien. Donc du coup je vais finir d'épandre. Avec le rayon 620, celui-là il est disponible, vous pouvez le trouver facilement. Je me suis bien mis là. Ouais, allez, go, let's go. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé à quand du arc, à quand du ça, à quand du arc, du call of, du machin. Faut savoir que pour l'instant il n'y aura que du farming, le temps que je finisse de réparer mon PC, parce que le son n'est pas non plus au top top. Quand on écoute avec un... On est à combien de pourcents là? Ça marque 96. Ok, je vais l'aider. Quand on écoute avec un téléphone, il n'y a pas de souci. On n'entend pas trop les bugs. Mais quand on écoute avec un casque, malheureusement, on entend des bruits dégueulasses, comme le bruit de ma bouche et tout. Voilà, c'est horrible. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Donc du coup, hop là. Je vais finir de réparer tout ça et on entend aussi les clics de la souris par moments qui sont vraiment désagréables. Alors je vous dis pas, si je commence à y jouer à Ark ou même à Call of, vous allez entendre vraiment des bruits vraiment horribles. Là ça passe encore. On entend, on a besoin de cliquer la souris tous les 5 secondes, donc du coup ça va quand elle fonctionne. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Le bruit du volant, ça va. C'est vrai qu'il est assez souple comme volant, donc du coup on l'entend pas trop non plus. J'espère que là on va pas l'entendre juste à ce moment où je suis en train de dire ça. Si c'est la merde, je vais t'arrêter ici. On va pas gaspiller. Donc j'aurais mes bottes de paille à venir récupérer ici aussi, je vois. J'ai vraiment laissé un bordel. Vraiment laissé du bordel partout moi. Surtout les parties où je suis passé jusqu'à présent, vu que quand je suis tombé en raid, j'ai emmené mon PC en réparation. J'ai essayé de bricoler moi-même, mais après je l'ai emmené en réparation. Du coup, j'ai tout laissé mes parties en plan. Et le fait de revenir comme ça, sur les parties quand ça a été resté en plan, du coup, c'est moins motivant. Mais bon, je vais tout ranger et puis tout ira pour le mieux. On va essayer de vous réaliser quand même une vidéo par jour. On va essayer de revenir comme avant. Une vidéo par jour, ça va être compliqué. Dans le sens, par moment, on est obligé de refaire des vidéos. C'est-à-dire qu'on a commencé la vidéo, mais voilà, suite à un bug, on est obligé de la recommencer, on est obligé de la refaire. C'est pas très amusant, en fait, de recommencer une vidéo sur laquelle on s'est bien amusé. Du coup, on peut pas vous la proposer, c'est ça qui est dommage. Ça me fait penser à la vidéo où on était sur la map Belgique et Cam il n'a pas arrêté de se fail, c'était épique. Du coup tout le long de la vidéo on l'a charrié, bien sûr la vidéo était pas bonne, mais bon c'est pas grave, j'ai gardé les bons morceaux, j'ai envie de dire, j'ai gardé les bons morceaux, c'est au cas où que, voilà, on sait jamais hein, s'il se moque de moi, j'aurai ma vengeance du coup. 20%, j'arriverai pas en haut mais c'est pas grave. Je décale pas plus hein, parce que je crois qu'il prend que 3 mètres de chaque côté. Ouais c'est ça. Ouais, j'ai trop décalé, du coup il prend que 3 mètres. Donc, ça sert à rien de trop décaler. Si vous voyez des traces de roues dans le champ, en fait c'est le mode WinLan. Tapez W2E L je sais plus comment. 2LANE, un truc comme ça. Et du coup ça permet d'allumer les cultures, mais vous voyez que quand on passe sur le.
quand on passe aussi sur le fumier ou autre, ça vous laisse des marques, plutôt sympa aussi. Là moi je l'ai désactivé, c'est pour ça que ça ne le fait plus, parce que j'étais à tirer des patates. Du coup vous pensez bien que ce mode là pour tirer des patates, pas top quoi, parce que sinon vous n'avez plus de patates en dessous les roues. Tac. Ah, j'ai oublié de fermer la trappe, autant pour moi. Pour une fois on fera comme ça. Voilà, nickel. C'est génial de voir la fumée sortir et tout. Super bien, c'est l'un de... En épandeur, c'est mon préféré. J'utilise pas les autres, je les aime pas trop. Celui-là, franchement, il a été super bien fait. J'utilise que celui-là. Et les autres sont... Je dis pas qu'ils sont mal faits, hein. Je dis juste que... Voilà. Là, c'est pas une question que le mode est bien fait ou pas, c'est juste là c'est la marque que j'aime bien. Franchement. Et sa fonctionnalité en fait. Voilà. Il va bien. J'ai l'habitude de parler comme ça dans mon coin, donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'accroche plus. Ah merde, bah oui, on tombe encore sur un boudron là. Du coup, on va se retrouver. Bah, on va aller jusqu'à le tout. Il est sympa hein, le classe là, côté bris là, franchement il est assez cool. L'intérieur je crois que c'est... Ah c'est top aussi l'intérieur, franchement nickel. Giro quoi. Les Giro, c'est des... Ouais, non, ils sont sympas, c'est ça. Il faut savoir que quand ils sont pas allumés, ils font bizarre un peu. Faut s'y habituer, en fait. J'en ai gaspillé, hein. Je suis en train de penser à regarder, même avec le mode... là où je suis passé avec le mode... Du coup, même si j'ai pendu fumier dessus, ça ne marque plus rien, ça ne fait plus rien. Si vous regardez bien, regardez, on voit des marques partout. Ça, c'était quand... Ah bah quand je suis venu avec le tracteur et la remorque, emmener le fumier ici, faire un stockage au champ. Du coup, j'avais traversé un peu partout, j'avais foutu mon bordel. Ou alors c'était quand on était en train de déplacer les ballots, je sais pas. Parce que je vois que là, c'est une marque aussi. Peut-être, peut-être, peut-être. Je sais plus. Bon, on va pas faire que ça, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va pas... on va pas que épandre hein, non plus, parce que sinon... Ça va vite fait vous emmerder. Je pense qu'il doit rester un épandeur par terre, après c'est fini je pense. J'en ai même pas de quoi faire tout le champ. Il me reste à la ferme, je finirai. Je finirai tranquillou après plus tard. Bon, je vais pas commencer un bout, je vais plutôt aller le remplir. Ça ferait con d'aller le. Pourquoi il avance plus le tracteur là? Il s'est fermé pour qu'il avance ou quoi? Non, et il rame hein. Et il y va quand on s'arrête. Allez, let's go.
Faudrait revoir le hippie trigger, il fait des tas dégueulasses, franchement c'est pas top ça. Le Godet là, il fait 5000 ou quoi? Je trouve que je charge vite mon... Ah ouais, il fait 6000, d'accord. Ok. Je trouvais aussi que je chargeais vite mon épandeur. Alors, il est où, 100%? On peut pas mettre plus. J'ai pas essayé de tasser. Ah bah, il y en aura encore un autre, hein, du coup. Ça, c'est cool. On s'appuie sur R hein, pour voir la porte. Yep là. Allez, let's go. Eh, hey, c'est qu'on peut presque le faire en vue intérieure, ouais. On va essayer. Attends, la tête dans ce sens-là, c'est plus facile. C'est parti mon kiki, j'ai déplié. Merde, je vois rien avec les, à cause des traces de roues, là. Oh, on voit pas les particules dans le rétro. Ah bah ça c'est LOL. Ah merde. Ah, c'est dommage hein. Bon, je vais mettre un petit coup ici. Il en mettra pas partout hein, je vous ai expliqué un trace de roue un peu partout. Ah non mais c'est des grilles de montée en fait, il n'en peut plus machin. Oh, tu me fais en gaspiller là, dépêche-toi. Trop faible. Ah, c'est vrai qu'après le tracteur, je sais même pas combien il fait 2 chevaux par rapport à l'épandeur. C'est quand même un bel épandeur. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé. Ah, j'ai un ballot là. Ça m'en fait 15 ballots alors. 15 ballots à venir récupérer ici. Je vais l'oublier celui-là, c'est sûr. Soit il faudra que je vienne déchaumer, j'ai un déchaumeur à vous montrer, il est magnifique. Moi, en tout cas, je le kiffe. Déchaumeur à disque, franchement, ça barre. Si je dis pas de conneries, il fait 6 mètres de... Il est dépliable, il fait 6 mètres. Je vais vous le montrer. Là, j'essaierai de vous passer le lien aussi. Comme ça, vous pourrez faire joujou avec. Franchement, moi, je le quitte plus. Là où c'est marqué sur les côtés, c'est le mode inspecteur. Il existe plusieurs versions du mode inspecteur. Moi, j'utilise celui-là. Avec contrôle, les flèches, on voit plus de choses. Et si on veut l'enlever, les flèches du haut. Contrôle plus les flèches du haut. Voilà. Si on veut que ce soit écrit en noir, pas trop qu'il nous gêne, comme ça. Inspector. On va le remettre parce que... Voilà. Allez mon petit! On va regarder le petit chevaux au magasin, on va voir un petit peu comment il nous dit de chevaux parce que... Hop là. Voilà. Alors. Monsieur aussi, si je dis pas de conneries, les portes sautent dessus. Yes! Un peu d'air, ça pue. Tac. Bon, bah ça y est, c'est fini. C'est fini. Sur mon dernier godet, c'est fini. Totalement fini. Oh là! J'ai picolé, moi. Y'a plus rien. Tout le monde descend. Allez go. Je vais me mettre à la porte.
J'espère qu'il ne me gêne pas après, pour la suite. Hop là. Attendez, bien sûr, on pouvait sauter. Du coup, j'ai le mode pour courir vite. Yaha. Je sais même plus comment il s'appelle le mode pour courir vite. Player caméra? Non, player caméra, c'est pour caméra. Non, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Hein. Presque assez pour finir, hein, franchement. Je vais éviter d'en mettre sur la route, sinon je vais me faire engueuler. Hop là. Ouais, c'est bon. Allez. Ce petit coin là la passe, pas grave, on va faire au moins une largeur ici. Bah ça va, il est pas en panne. Ah si, il continue d'épandre même si j'avance plus. Hein. Hé garçon! Le pauvre! Il en peut plus! Il en peut plus, il en veut plus! Le moteur s'étouffe. 620, 110. 110, 120 chevaux. Attendez. Ouais, attendez, on va finir ça avant et puis on va voir. Donc il me fait perdre tout mon fumier. Bah... Oui, mais là, c'est vrai, il y a le mode... J'ai pas le gaming mode donc ça ne reste pas, ça ne fait pas de, ça reste pas sur la terre, vous savez, comme ça doit faire normalement, comme pour le compost et tout. Désactiver parce qu'après je peux pas, on peut pas l'enfuir. Alors allez, let's go, on va y voir dans le garage. 620, ah ça dit pas, ça dit pas le nombre de chevaux qui réalise. Ça doit être ça, hein. 110 120. Ouais, ça doit être 100, peut-être 115 chevaux, je sais plus. Ouais, ça doit être un truc dans le genre. 830, ils disent pas non plus, celui-là ils disent pas. Oxos, ils disent pas. 150, 130, 184 chevaux. C'est un Arion différent. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas il a du mal. Allez, let's go. Ah oui, c'est vrai, on est sur ces routes à la con, hein, sans déconner. On est de merde. Voilà, il y a une voiture qui arrive. Le mec qui a pas de bol. Comment je fais pour le mode follow me maintenant? Oh là là là. Allez, j'ai jamais essayé, on va voir, on va se marrer. J'ai jamais essayé mode follow me entre passer entre deux bagnoles. Hein. Enfin, entre des voitures. Eh, c'est qui capte la bagnole, hein? Wow, c'était chaud. J'aurais dû désactiver la route, mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié, donc du coup je me tape la circulation, je dirais. C'est pas grave. C'est sympa aussi, hein, la circulation. Ça aurait été inversé, quoi, ça aurait été en France. Et là,
est arrivé chez nous. Je sais pas du tout s'il a réussi à me suivre ou pas. Ou s'il est resté encastré dans une voiture. Ok. Mais il est resté encastré. Ah non, il arrive, il arrive. Ah oui, c'est vrai, les autres roulent à 30. Et du coup, il la pousse. Non, mais sans déconner. Il est à portée, quoi. J'avais zappé que les véhicules de farming roulaient à 30 km/h. Comme si il y avait mon chou. Voilà, c'est vrai qu'il y a autant qu'il fait chier. Hop, arrête-toi. Voilà. Mince. Bon, voilà, en vrai, il n'y a plus de porte. Hein. Hop, voilà. Heureusement que c'est qu'un jeu. Voilà, donc ça on verra après. Attendez, je vais mettre la vitesse 0 parce que sinon je vais trop vite et voilà, ça rend pas bien, on a l'impression que je vais vous rendre malade. Donc voilà, le déchômeur il est là. Un petit ken. Franchement, très sympathique. En fait, j'aime bien... ce que j'aime bien en fait, c'est ce qu'il a réalisé, le skin qu'il a réalisé dessus. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Tout est beau. Magnifique travail. Trop bien fait quoi. Parce que c'est pas facile. Justement, j'avais réalisé moi-même une 3D pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook. Et en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser, qu'on peut réaliser sur Maya. C'est joli sur Maya. Mais en fait, dans Farming, quand on l'importe dans Giant, malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça ne prend pas en compte. Comme vous pouvez voir sur son rouleau squelette, si vous regardez bien, les barres ne sont pas rondes, d'accord, ne sont pas arrondies. Pourtant, si il était sur Maya, soit s'il veut que ça soit arrondi sur son Farming, il va falloir qu'il mette plus de triangles. Voilà, tout simplement. Et donc là, après trop de triangles, tout triangle, j'ai envie de vous dire. Et comment dire, s'il était sous Maya encore, là, il pourrait appliquer ce qu'on appelle un smooth. Et du coup, ce serait hyper lisse, hyper joli. Malheureusement, ça ne marche pas dans... ça ne prend pas en compte dans Giant. Du coup, moi, j'ai été obligé de refaire mon boîtier que j'avais réalisé en smooth. Comme ça. Oh putain de merde, enfoiré là. Du coup, j'avais réalisé comme ça en smooth. Et du coup, je suis obligé de recommencer mon boîtier de mon gyrovoyeur. Ce n'est pas grave, mais il sera moins beau que sur la photo que j'avais mis sur sur mon Facebook. Voilà, je perds mes mots. Voilà, c'est après j'ai pas été professeur, hein. j'ai voulu apprendre la 3D tout seul. Et en fait hier j'ai demandé à Cam, parce que je l'avais pas vu depuis, hein, il était pas au courant que je réalisais une 3D. Et je lui ai montré un peu mon travail et du coup je lui dis écoute comment je fais pour l'importer dans Giant, je voulais savoir. Et quand j'ai commencé à l'exporter, j'ai vu des pièces qui devenaient carrées parce que j'avais utilisé cette fonction en fait, voilà. Donc pour faire des jolies photos sur Maya, c'est super. Par contre pour farming, voilà, on peut pas. Ça m'a un peu un petit peu blasé en fait. Je m'avais un peu dégoûté, mais bon, c'est pas un boîtier qui va me faire peur, hein. J'ai déjà commencé à le recommencer et vous inquiétez pas qu'il sera exactement comme il doit être, sinon il ne sortira pas. Voilà, tout simplement. Et ça vaut mieux que je me trompe maintenant que si j'aurais fait 53D et qu'on m'aurait dit non, en fait aucune est bonne. Voilà. Je dis, je suis tout novice, je suis tout petit. J'ai commencé jeudi de la semaine dernière. On regardait cette vidéo pour les mercredis. Donc ça fait à peine une semaine que j'ai commencé à 3D. Et je regarde un,
Anglais en fait, qui réalise des... J'ai envie de le dire, il réalise de la 3D sous Maya et il fait ça sur YouTube. Et en fait, le gars, il fait pas des... C'est pas des mode farming, hein, c'est des 3D de tout. Et c'est pour ça que cette fonctionnalité, lui, il peut s'en servir. Parce que si c'est pour vous montrer comment réaliser une 3D, on peut s'en servir de cette fonctionnalité. Mais si c'est pour mettre en jeu, malheureusement, ben, un jeu comme Farming, on peut pas. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, ces tutos m'ont vraiment bien aidé, même si je comprends rien à l'anglais, très peu. Du coup, ça m'aide pas mal parce que je regarde ce qu'il fait et puis voilà, j'apprends en regardant. Et après, si vous voulez apprendre, c'est pas dur, mettez tuto, je sais pas quel logiciel, hein, parce qu'il existe plusieurs, il y a Maya, Blender, Ketchup, 3DS Max. Moi j'ai essayé 3DS Max, c'est compliqué 3DS. Pourtant je l'ai en français 3DS et j'ai plus de mal que sans Maya. Sans Maya j'y arrive. J'y arrive bien sans Maya. Après Maya, c'est pas parce que j'utilise Maya que ça va vous sembler facile pour vous. Après il y a un logiciel qui est pas mal, c'est Blender, parce que Blender en fait il y a beaucoup de tutos en français, bah, réalisés par des Français. Que sur Maya, il y a à part un tuto en français sur Maya, c'est un gars qui réalise une guitare, il n'y a rien. Voilà. Donc voilà. Le mieux c'est peut-être si vous voulez commencer, je pense que le mieux c'est Blender quand même. Blender, c'est il y a énormément de tutos en français, donc vous ne serez pas emmerdé. Bon. Eh, sympa mon déchaumeur, au moins il a la taille du déchaumeur, ça déchaume à la taille du déchaumeur, ah, il y a plein de petits trucs. Il va bien avec mon tracteur. On occupe le mode GPS, et puis on serait pas emmerdé. Oh bah écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes de son et que vous n'avez pas trop entendu 50 000 fois respirer. Voilà, parce que c'est bien que je respire, mais bon, faut pas que ça s'étende dans le micro. Demain, normalement, vous aurez une vidéo sur The Alp, si tout se passe bien. La ferme de l'extrême, on reprendra quand on n'aura plus de problèmes de son. Je vais essayer de formater mon PC le plus vite possible, encore une fois. Du coup, je dois avoir un logiciel que quand j'installe, fout la merde. Donc j'arrive pas à trouver quel que c'est, donc vraiment que j'arrive, parce que ouvrir une page internet, j'y arrive rarement, franchement, sans déconner, sans mentir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma souris reste bloquée tous les 5 secondes. Mon clavier ne répond plus. J'ai d'autres problèmes, hein, je peux en citer. Les vidéos, j'ai tant d'images mais pas tout le son. Ou alors j'ai tout le son mais pas toute l'image. Qu'est-ce que j'ai? Je sais même plus tellement j'ai des trucs hallucinants. Ah oui, ma connexion est divisée par 3. C'est-à-dire que quand je suis sur TS, je ne peux pas aller sur le serveur. Sinon, c'est le TS qui saute. Quand je mets une vidéo en ligne, je peux plus rien faire. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et ça vient réellement du PC. Hein, parce que sur les autres PC, bah, j'en ai un autre. Mais si vous voulez, c'est une vieille carte graphique. Pour vous dire ce qu'il y a là-dedans, c'est je crois la 315 GeForce. 315, du coup vous voyez un peu le vieux truc, il fait pas tourner Farming, hein. C'est tourner Photoshop, c'est tout ce qu'on lui demande, mais il fait pas tourner Farming. Du coup bah j'utilise celui-là, PC de secours, mais c'est une très mauvaise idée puisque c'est pas réellement un PC de secours, c'est un PC de rien du tout. Donc voilà. Ah. D'accord, j'y vais, c'est bien ça. Donc là normalement ce que vous me voyez faire c'est pas très bien parce que en fait je travaille la terre. J'arrête pas de travailler à terre alors que je pourrais essayer de le faire en, de tourner dans les bouts directement en allant plus loin. Et quand je gagnerai du temps à tourner premièrement et deux, je gagnerai du temps sur le matériel, d'user du matériel. Parce que ma technique que je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire que je fais un coup d'inverseur en marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, du coup j'use un petit peu quand même mon embrayage. Même si, hein, entre nous, ce n'est pas très grave, c'est du farming.
Mais en réalité, voilà, c'est quand même à éviter. Le mieux, c'est... Ça, si c'est la terre à préparer pour voilà, mais quand c'est à déchaîner comme ça, le mieux, c'est d'aller le plus loin possible. On se met en position, on tourne, et puis après, on revient, on fait le tour, et c'est beaucoup mieux. Et là, avec le mode GPS, on va droit, et puis basta. Même sans mode GPS, on va droit. On est à l'intérieur, on se cale sur quelque chose, on essaie d'aller droit, le plus droit possible, et puis voilà. Parce que sinon, bah voilà, j'use un petit peu le matériel quand même. C'est moi qui dis ça. Ouais. Écoutez, sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde. Allez, salut!